Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce vlog aujourd'hui, un vlog dans la voiture. Je faisais une petite balade en voiture histoire de repérer trois coins sympas. Moi du coup j'ai voulu en profiter pour faire un petit vlog. Alors ce vlog, il y a quand même pas mal de choses à dire par rapport à ce mois-ci. Donc déjà, encore et merci. Encore un énorme merci aux nouveaux venus, parce que ça monte de plus en plus, et ça c'est génial, et ça peut que me faire plaisir, et c'est vraiment cool, et c'est vraiment génial. Donc merci aux nouveaux arrivants, et c'est encourageant de voir que ça prenne autant d'ampleur tous les jours. Donc ça, je tiens à remercier tout le monde déjà. Donc, on va parler un petit peu du guide du survivalisme de ce mois-ci, hors série, donc qui a bien marché quand même, hein, en moyenne de la chaîne. Donc, quelques précisions, effectivement, j'ai pu voir l'épisode sur une grande télé, très grande télé. Effectivement, le sanglier du début, on voit, on aperçoit quelque chose, mais effectivement, c'est pas jusqu'à nous. Alors, deux choses, déjà, c'est que ça m'a surpris d'en avoir. Voilà. Deuxièmement, j'aurais peut-être pu m'approcher avec la caméra motion, mais s'approcher pour prendre des risques, pour avoir une belle image, est-ce que ça en valait vraiment la peine? Donc, J'ai préféré faire ce qu'il y avait à faire, donc de partir tranquillement, de pas avoir d'ennuis et de pas me mettre en situation de survie. Car un truc comme ça peut dégénérer et partir en sucette méchamment. Comme le camp là qui se dégrade d'une manière assez ouais, mais je vais enlever les lunettes, ça sert à rien, le soleil. Il faisait beau ce matin et là le camp est en train de partir en sucette. Bref. Donc, se retrouver face à un sanglier, ça peut éveiller en vous une certaine connaissance de soi. On va appeler ça comme ça. Deuxième chose, pour le bivouac est modéré. Mais le camping sauvage est interdit. Faire du feu, c'est interdit aussi. J'ai fait du feu pour éloigner les bestioles qui auraient pu potentiellement être guillemets dangereux, mais c'est pas non plus j'allais pas me battre un ourson. Ce que je veux dire, c'est que par là, renseignez-vous quand vous voulez faire du bivouac, c'est autorisé, apparemment c'est toléré de 22h à 8h, un truc comme ça, il faut vous renseigner. Ensuite, le terrain ou sur lequel vous voulez passer votre nuit, il soit public ou privé. Donc ça peut être de manière différente. Il se peut que même sur un terrain privé, vous pouvez vous prendre une amende. Même si vous avez demandé l'accord au propriétaire. Donc faire du bivouac, c'est bien, mais il faut se demander un petit peu, faut regarder. Aujourd'hui en France, on a juste le droit de travailler et de fermer sa gueule. Ça me rappelle vachement quelque chose. Et c'est de l'esclavage. Ensuite, donc déjà ça, deuxièmement, si vous voulez en faire, on le fait peut-être pas tout seul, enfin, faut que vous voulez, je dis juste que la première fois, ça peut être impressionnant, ça peut être assez angoissant, parce que effectivement, il y a du débris,
il y a une espèce d'inconnu en face qui peut mal tourner. Mais enfin, c'est génial, vraiment c'est génial, je vous conseille de le faire. Mais si vous ne vous sentez pas capable de rester unis ou seul dans la forêt, faites-le à plusieurs, vous verrez, ça soulage un petit peu l'angoisse. Donc déjà ça. L'épisode, j'ai eu un retour à avoir deux choses aussi qu'on m'a dit. C'est que j'avais donc une hache. La hache sert juste de défense. En aucun cas, la hache sert pour aller tuer les animaux, juste pour le plaisir de le faire. En aucun cas, c'est ça. Deuxièmement, on m'a reproché que j'ai vu priver les animaux de boire. Alors, en intersomme, c'est vrai, c'était quelque chose que je n'avais pas pensé. Mais dans la vidéo bêtisée, tu vois l'espace où je suis en train de les présenter sur mon espace de salle de bain. C'est le même endroit, c'est exactement le même endroit où j'ai fait la vidéo. Bon, niveau boisson, les animaux, ils avaient de quoi boire. Ils avaient vraiment de quoi boire. Bon, voilà, la hache est juste pour la défense, pour éviter de me retrouver blessé et impuissant. Même avec le sanglier, je pense que ma hache aurait été plus ou moins presque inutile. Donc voilà, ça c'est pour le guide du survivaliste. Donc c'est très bien marché, je suis très content. Les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés, il y a eu pas mal d'abonnés depuis. Franchement c'est génial, c'est génial, c'est génial. Donc voilà, déjà ça. Ensuite, je vais vous parler d'un truc aussi dans ce vlog, mais je vais attendre. Je vais attendre pour éviter de dire trop de choses et avoir du retard. Donc je vais me concentrer d'abord sur les prochaines vidéos, notamment le guide du survivaliste à la suite de la partie du voyage vers l'inconnu. Et voilà. Ce qu'il y a à savoir, c'est que ce vlog est fait sur Instagram, sera mis en ligne sûrement ce soir, à ce moment-là. Donc, ce qu'il y a, c'est que toutes les vidéos, toutes les avances que j'avais prises, il n'y en a plus. Il faut recommencer, il faut remettre, faut refaire de plein vidéos. Moi, ça m'a permis de faire une petite pause aussi, parce que j'ai quand même fait pas mal de vidéos. Et je le fais avec plaisir. Et ça, je me dis toujours, quand j'ai du plaisir, je fais des choses. Et puis quand je vois le nombre d'abonnés qui vient tous les jours, qui augmente tous les jours, le nombre de vues, ça peut que m'encourager, donc je continuerai. Et ensuite, au mois de septembre, alors, il y a des réalisations de projets qui vont arriver, donc peut-être que j'aurai un peu moins de temps de faire les vidéos. Mais je vais essayer de préparer tout ça un petit peu à l'avance, puisque il se peut que dans ma vie il y a une rupture dans la normalité. Ça se peut, je vous tiendrai au courant. C'est pas si dramatique que ça, mais ça peut être. Ah là là, il fait beau, les motards sont sortis. Bref, je tiendrai au courant une rupture dans la normalité, ça peut être tout et n'importe quoi, mais je vous en dirai plus au moment où moi-même j'en saurai. Je vais faire quelques vidéos pour terminer ce mois d'août tranquillement et puis on réattaque avec au mois de septembre avec des vidéos survie, on fera aussi des simulations survie pour apprendre un petit peu les gestes, les bons gestes et les mauvais gestes et surtout ceux à éviter. Donc on verra tout à quelque chose comme ça. Moi je vous dis merci en tout cas à tous. Tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent, c'est vraiment génial. On est mi-août, voire fin août, et il y a tellement de gens qui sont passés déjà sur cette chaîne, et je vois l'évolution de la chaîne tous les jours, et c'est un kiff incroyable, et puis j'aime apprendre, et du coup, si je peux apprendre des choses à des gens, si je peux apprendre de quelle manière que ça soit, c'est génial. Et merci de regarder mes vidéos, merci d'être à l'écoute, merci d'être fidèle, vraiment, sincèrement.
Et donc, je pense avoir tout dit dans cette vidéo. Moi, je vais rentrer parce que 4 heures de sommeil par nuit en ce moment, ça frôle un petit peu la connerie. Bref, mais en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et on se retrouve bientôt. Et d'ici là, préparez-vous bien. Et dans la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ciao les amis!